bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de City of Gangsters. On est toujours avec Shobiti, on a grandi tranquillement notre territoire, financièrement c'est pas trop ça. D'ailleurs ici je vais prendre la peine de reculer pour pas être dans cette zone. Mais bon, on se démerde quand même, pas si mal. Ici on avait réussi une quête, qu'est-ce que ça nous propose? Bonne soirée Xebus, merci beaucoup d'être passé, merci encore pour le raid. Ça fait plaisir de voir les immigrants de notre pays s'affirmer et prendre le contrôle des coins de rue. Comment je puis vous aider à optimiser votre activité? On pourrait produire du vin en brique, de la bière artisanale, du moonshine, où on récupère plein de trucs. Est-ce que je peux voir ça? Oui, parfait, je peux voir ça. Alors, pour l'instant, la bière artisanale. Il y a un mec qu'on achèterait, ouais. Du vin en brique. Le vin en brique, c'est pas mal. Et le moonshine, il n'y en a qu'un seul. Le vin en brique paraît plus intéressant. Il faut du vin compressé, du concentré de raisin. On aurait moyen d'en acheter. Et des bouteilles, je crois. Ou non, il faut des pots en grès aussi, peut-être. Ouais. Ça me paraît rentable, le vin en brique. Et salut Yukov, bienvenue sur le live. Comment vas-tu? Tu as enfin réussi à choper un live. Bah écoute... Bienvenue, bienvenue sur ce premier live. C'est avec plaisir que l'on t'accueille. Toc. Bon, maintenant on est capable de fabriquer du vin en brique. Et ça, c'est plutôt cool. Il va falloir trouver un moyen de... Bah de le faire, tout simplement. Ah, c'est marrant, ça nous dit là où on peut acheter. Ah, donc c'est du raisin qu'il faut qu'on achète, c'est pas du... C'est pas du concentré de raisin, c'est bon à savoir. Pas assez de points d'action ici. Et là, on a terminé. On a plus de quoi payer notre recrue, notre capitaine. Non, tu vas rester là. Putain, y a vraiment rien quoi. C'est tellement la dèche. Il va falloir qu'on aille déposer un petit peu d'argent. Voilà, on lui file déjà 6 fruits, c'est pas mal. On a toujours du cidre sur nous. On va passer en récupérer un peu. On peut déposer un petit peu d'argent. Mais il va falloir qu'on achète des pots de grès. Donc on va pas déposer d'argent. On va aller acheter des pots en grès. 20, c'est très bien. Toi, tu nous en revends ou pas? Ah non, tu nous détestes de plus en plus, toi. Pourquoi pas? On va aller faire un tour là. Putain, c'est 20 balles par tour hein, pour le payer le capitaine, hein, donc ça aide pas non plus, hein, faut avouer. C'est pas du tout ce que je voulais faire, c'est ça que je voulais faire. Des pots en grès. 39. Et on est plein au maximum, ok. Voyons voir, qu'est-ce que nous proposerais, toi? Ta mère Dorothy a une idée de business, parle-nous-en un peu plus. C'est le même, hein. Ouais, en fait, c'est le problème. Ils sont dans le même coin de quartier, donc ils vont tous nous proposer le même bâtiment. Et franchement, un bâtiment qui propose rien, enfin qui ne produit rien, ça fait un petit peu chier. Je vais pas vous le cacher. Du coup, ça m'emmerde. Ça m'emmerde carrément. En même temps, il n'y a personne d'autre qui serait prêt à s'étendre, donc si on pouvait poser un truc de vin en brique, ça serait pas plus mal, quoi. Ça nous permettrait de diversifier un petit peu nos activités. Après, il va falloir le financer aussi, hein. Ça va être 800 ou 1000 balles probablement. Pour l'instant, financièrement, on va dire que c'est pas trop ça. Ah, la police fond sur ce... Ce coin, pourquoi pas, fais donc ce que tu veux. Nous, on va aller vendre notre alcool dans un endroit où les flics s'entendent bien avec nous, n'est-ce pas? Cette pause, pas mal. Et 9 pots, c'est toujours ça de prix. Donc lui du coup on le paye plus, mais c'est pas grave, pour l'instant il va juste explorer.
L'un de vos véhicules est amoché. Ah zut. Il va falloir rentrer au bercail, hein, du coup. Ah, on a des faveurs ici, tiens. Comment se fait-ce? Parce qu'il est aimable et que c'est un Irlandais. Eh bah très bien. Est-ce que tu connaîtrais des trucs intéressants? Pour l'instant, non. Bon, bah dommage. Il va falloir qu'on rentre réparer le véhicule. Ça va encore nous coûter 100 balles. Donc on va aller déposer un petit peu de sous. De toute façon, sinon il pourra pas. On pourra pas le payer. Bon. On est loin d'automatiser nos trucs, hein. Une organisation rivale envisage d'attaquer l'un de vos commerces de façade. Quoi? Non mais les gars. Warren Magellan Collings peut bientôt recevoir une promotion au code rôle repérage. Il a fait 390. C'est cool d'avoir la petite notif pour nous prévenir. Ça c'est cool. Par contre... What the hell? What the hell, les mecs qui veulent attaquer mon commerce, quoi. Et en plus, on connaît aucune organisation rivale pour l'instant, ce qui veut dire qu'ils nous ont découvert avec pas nous. Ce qui me plaît pas trop. Il n'a aucune arme, le mec. C'est peut-être un petit peu abusé, quand même. On va peut-être aller s'acheter une petite batte de baseball vite teuf. Ça coûte pas cher. Ah non, on peut pas. Bon sang. Bon sang de bonsoir. Donc on va aller vendre de la bière. Qu'est-ce qu'il voulait lui? Des sous, ouais. Du brandy, non. Du cidre. 8 pots. Toujours ça de prix. Et on va pas rester là par contre. Parce qu'avec l'autre fliquette qui traîne là, c'est compliqué. On va poster plutôt notre chef dans le coin. Bon après c'est un petit peu bizarre qu'ils nous disent eh oh, il va se passer un truc. C'est-à-dire qu'ils doivent être par là. On va envoyer notre capitaine faire un petit tour par là. Ok, police fond sur ce quartier là, très bien, pas de problème. Toi tu prends un petit peu d'argent et tu vas ici réparer ta bagnole. 67, bon ça va, il n'était pas trop tard. Les nouvelles recluses c'est pas tout de suite. Il faudrait qu'on achète des petits barils et des fruits pour avancer nos quêtes. Ok, on pourra en acheter là. Des fruits, ok. Juste à côté de la quête, on peut acheter des barils, bah go hein. Ouais. Ouais, il nous en manque 3. Franchement, Calimero, c'est compliqué. Ah, squash, d'accord, squash. Déjà c'est compliqué Philadelphie de base, on commence avec un capitaine qu'il faut payer et tout, et en plus enfin, ça fait aussi partie des spécificités de la ville, hein, mais il y a très peu de commerce, très peu de gens pour acheter la cam, donc c'est pas si facile. Alors si en plus on a des gangs rivaux qui commencent à venir nous mettre sur la tronche, autant dire que voilà. Tu vas prendre 5 balles toi, sur toi. Puis tu iras t'acheter une batte de baseball ou un truc du style à l'occasion.
Ça fait chier de laisser quelqu'un là en fait là. On va vraiment envoyer notre capitaine par là-bas. Ok, sauvegarde en cours. Bim. Notre niveau de respect est en hausse. La fliquette est pas contente, hein. Forcément. Mais ça s'agrandit. Ça, c'est malheureusement pas dans notre zone. C'est juste à côté. Donc on n'a rien à les racketter là-bas. Donc pour l'instant, on va le laisser faire sa vie. Mais on va pouvoir s'étendre par là-bas au prochain coup, quand même. Faut qu'on livre 250, on n'a absolument pas ce qu'il faut. Toc. Un petit peu de cidre, peut-être. On a dans la voiture. Toi, c'est pareil. Tu vas prendre un petit peu de cidre sur toi. Et tu vas aller par ici. Ah, il connaît des personnes qui pourraient nous intéresser. Fabriquer du cidre. Mais oui. Parfait. Un vendeur de cidre. C'est tout ce qu'on veut. Hop là. Plus de points d'action. Pas de problème. On y va après. Ici, on peut pas vendre par là-bas. On va faire un petit saut par ici. Pour liquider le stock. 9 pots, c'est pas mal, c'est pas mal. Ça se vend bien quand même, hein. On a quand même les moyens. Hein. C'est pas facile, mais on s'en tire doucement. Il va nous falloir du rap de grès. On a plus de points d'action. Ici, elle a géré. Ah, elle a géré, on va pouvoir aller récupérer les cadavres. Toi, tu nous détestes toujours, il nous déteste de plus en plus, quoi. Ça doit être parce que les bonus s'en vont alors que les malus restent. Et salut Contamine, bienvenue sur le live. Comment vas-tu? Bien, j'espère. C'est parti, on récupère la thune. On fouille la planque. Ouh, c'est bon ça. C'est très très bon ça. Du whisky vieilli, des cordiaux, du whisky en bouteille, du gin d'amateur. Y'a plus rien, hein. Ouais. Ça fait plaisir. On va s'éloigner du quartier des fois qu'il y a un flic qui vient foutre la merde. Et ici, on va aller faire un petit coucou à cette personne. Non, parce qu'elle est gênée. Par qui? J'ai pas fait gaffe. Il me le dit pas, faut que j'aille dans historique. La banque de O'Carroll. Qu'on ne connaît pas du coup. Que pour l'instant on ne connaît pas. Donc ils doivent être dans le coin. Quelque part. Ah, l'organisation Burnett. D'accord, ils sont là. C'est eux qui probablement essayent de s'occuper de notre commerce de façade. Et ils sont en train de tabasser l'organisation Carroll. Ou l'organisation Carroll les tabasse, je ne sais pas. En tous les cas, on est un petit peu exposé, on va pas se mentir. On va se replier. Et ben moi ça va plutôt bien, Contamine. Je récupère doucement de ma fatigue chronique. Du coup, je suis plutôt content. Et notre aventure s'améliore tranquillement. Alors, est-ce que elle a... on pourrait aller se foutre dans le tas comme un gros sac et tirer. Ça se passerait comment, hein? On pourrait faire coucou. Alors, qu'est-ce qu'elle a? Elle aime contrôler le territoire, prévoir une petite bande sans aigu des affaires. Ah mais du coup, on combat les deux. Vraiment. Bim! Non, elle a pas combattu l'autre, on est d'accord. Après une explosion de violence au Angle, 6 agents fédéraux de l'alcool canadien dissimulé dans des chapeaux de fourrure. J'aurais peut-être pas dû faire ça, parce que c'est vrai que si jamais...
Les flics se pointent. On va perdre beaucoup. Non, on est dans la circonscription normalement au coron, donc ça va, ça devrait aller. Par contre, ça nous a pas dit qu'on a éliminé la concurrence, donc ça devait être juste être un sous-fifre entre guillemets. On va passer récupérer le cadavre avec lui. Hop, et on se casse. Toc, voilà. On va vendre un petit peu de cidre pendant qu'on y est. Dépôt dans la... Je qualifie ça comment? Bah écoute, elle a essayé de me mettre un coup de batte de baseball, j'avais un revolver dans la main, voilà, elle a trigger mon doigt au mauvais endroit, je suis bien désolé. Oui, Kenton, je pense qu'il reste des membres encore vivants, ouais. Mais j'ai pas fait gaffe à son nom, en fait, j'aurais dû faire gaffe à son nom. Je peux peut-être le voir... Comment on fait déjà pour... voir l'historique de nous-mêmes, là. Toc toc. C'est John Burnett qu'on a tué. Et du coup, il reste Franz Schmidt. Qui vient d'être... propulsé chef de la bande, visiblement. Peut-être que ça va se dissoudre au prochain tour, on verra. Hein, parce que là, c'est toujours censé être John Burnett le chef. Donc on va voir. Peut-être qu'elle va se débarquer pour venger sa chef, je ne sais pas. En tout cas, j'espère que les flics ne vont pas débarquer. Plus tard dans la journée, quelqu'un a frappé à votre porte en ne laissant qu'un colis, un poisson mort envoyé dans du papier journal. C'est un message clair, quelqu'un vous en veut. Franz Schmidt prend les rênes du gang, l'organisation Burnett. Sont le chef de la police, le jazz et l'alcool nous mèneront à notre perte. J'ai cru que le flic passait là, mais non, ça va, c'était juste l'autre qui se barrait. Voilà, il a décidé d'aller absolument pas là. On s'est attiré la colère de l'organisation Schmidt. Ça pourrait être l'occasion d'aller les finir, hein, cela dit. On y va à deux là. On prend le point d'action pour ce coup là. Bon, il va falloir qu'on aille se soigner quand même. On va peut-être faire ça. Ici, on va déposer toute la thune. Toc, voilà les différents alcools. On garde juste ça. Et on va faire une petite pause soin pendant deux tours du coup. On a ce qu'il faut pour la prochaine production. On va tout déposer. Il nous faut une arme. Est-ce que toi, tu serais suffisamment... Non, il veut pas nous filer, il veut pas nous filer d'armes. Alors, batte de baseball. Ah, on peut en acheter là? Bah oui. Mais bon, on se fait chier. Il y a une livraison de batte de baseball juste à côté de la maison. Ah merde, j'ai 0 balles. J'ai tout déposé. 1, 2, 3, 4. Voilà, une petite batte de baseball et un revolver. Je pense qu'on va être bien. Il y a 1000 balles dans la planque, ça va laisser le temps à Magellan de se remettre. Et on va aller explorer les chemins pour pouvoir y aller. Et Chobiti nous rattrapera dès qu'elle aura récupéré. C'est-à-dire... le prochain tour. Ah, elle a les mêmes traits, tiens, c'est marrant que l'autre. Mais du coup, elle est seule. Déjà demandé, Kenton, excuse-moi, j'ai raté à quel moment tu m'as parlé de ça. Est-ce que tu veux reposer ta question? Je sais absolument pas de quoi tu parles, excuse-moi. Alors ici, ça a terminé le cycle de production. Vu ce qu'on a à vendre, on va se permettre d'éventuellement prendre le risque d'en rater un. Oh, mais dis donc, regardez qui est là. Eh coucou! Est-ce qu'on est toujours dans notre circonscription là?
De justesse, elle vient dans notre circonscription. Bah écoute, machine. Désolé quoi, désolé pour toi. Alors, on a perdu 2 PV et on lui a défoncé une balle dans la tête direct quoi. A même pas eu besoin de notre sous-fifre. Un meurtre de la pègre aux angles de Columbus et Chaucer secoue la ville. Avis aux bandits, les scientifiques révèlent un nouveau détecteur de mensonges. Bah du coup lui il a même pas combattu donc il peut prendre le loot et se tirer. C'est parfait. Est-ce qu'on peut prendre la main sur les trucs du coup? Le problème est réglé. 4 briques et un peu de moonshine. Ouais. Bon, franchement, ça casse pas 4 briques et un canard quoi. Hein. Niveau tension, de toute façon on était dans la zone. Ouais, ça a même pas eu le temps de devenir rouge quoi. Bah ouais Kenton, j'avais déjà demandé effectivement, donc c'est vrai pour lui emprunter une arme, mais normalement de temps ça redevient disponible régulièrement. Mais bon là c'est un peu tôt, je suis d'accord. Bon bah ça c'est fait. C'est dommage qu'on puisse pas récupérer le bâtiment par contre, ça serait franchement cool. Ou alors c'est peut-être juste un commerce de façade ça. On va voir. Ah, on a gagné notre bureau. Un penthouse ou un gîte rustique? On avait pris le penthouse la dernière fois. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir comme bureau? Pour Chobiti. Chobiti elle pourrait être classe dans le gîte rustique. Mais en même temps on la voit bien observer la ville en haut là, Chobiti la démon. Depuis son bureau confortable. Du rustique pour Canton. Xebus, t'es plus là, tu pourras choisir vu que t'as payé. Alors Yukov, la tension en fait, je te montrerai après du coup, c'est pas entre deux gangs, c'est par coin en fait, par quartier. C'est-à-dire que quand il y a des actions illégales ou qu'on se fight, bon, c'est globalement illégal de tirer des balles dans la tête des gens, le niveau de tension du quartier augmente et plus le niveau de tension est élevé, plus il y a des chances qu'un flic vienne faire une descente et qu'il arrête tout ce qui est de là, tous les personnages qui sont dans le coin. Il les arrête, il confisque tous les biens et on les renvoie dans notre bâtiment de base. Sauf si on a corrompu le flic du district. On est plutôt sur du rustique, c'est parti pour du rustique. On a la chaise du chef et le bureau du chef. Parfait. Le gang de l'organisation Schmidt est limité par une bande rivale, la ville est choquée par cette violence. Oh, tout de suite. Donc elle va encore nous proposer une bagnole. Ok, donc ça vraiment ça rase le truc. Bah ça fait quand même un adversaire en moins et même si on galère un petit peu, ça fait quand même plaisir. Donc tu vois ici on a un filtre, donc déjà on a un filtre de circonscription de police, donc tu vois il y a un commissariat dans chaque circonscription et la circonscription est toute la zone d'une couleur unie là. Nous on a corrompu ce commissariat là, c'est pour ça qu'il y a un petit bifton à côté. Donc pendant 250 jours, il nous lâche la grappe. Sauf là où je suis pas sûr, si on est vraiment trop abusé et que par exemple typiquement si on combat beaucoup trop longtemps, je suis pas sûr que ça soit, enfin que ça le fasse quoi. Mais normalement il est censé te laisser tranquille. Et en fait du coup on a un filtre ici de tension, alors le problème c'est que ça affiche tout, donc quand on dézoome ça ressemble pas à grand chose, si quand on dézoome beaucoup ça se voit. Tu vois tous les endroits rouges là, c'est les endroits où il y a de la tension, c'est-à-dire qu'il y a des actions illégales ou des combats qui ont lieu. Et quand ça devient vraiment rouge vif, un flic pas corrompu va faire une descente et arrêter tous les gens du coin. Mais on peut tout à fait être en guerre avec un gang et jamais se rencontrer et voilà, la tension entre nous, on va se détester, ils vont nous détester, mais il n'y a pas de tension au sens descente de flic quoi. Tu t'arranges toujours pour éliminer le coin de rue de la planque pour piller un max.
Ah, si je l'avais éliminé, genre sur son coin de rue, j'aurais eu plus de loot. J'ai jamais encore été jusqu'à éliminer un gang, honnêtement, dans ce jeu-là. Je me suis toujours arrêté avant, ou j'ai toujours eu une mise à jour avant qui faisait qu'il fallait que je m'arrête. C'est intéressant comme truc. On va repartir par ici pour explorer un peu. On n'a pas assez de points, dommage. On va pouvoir reprendre nos activités normales. Et on va commencer par prendre un petit peu de sous et aller acheter du grès. On se soignera plus tard, hein, franchement. C'est vraiment pas une priorité. Toi, tu nous détestes toujours. Oh, pas de problème avec ça. Ah mais je... Tu peux... Enfin... C'est possible de looter plus. Parce que là, tu vois, j'ai pas eu un problème de... Enfin, c'est pas que j'avais pas assez d'espace ou quoi que ce soit, c'est juste que la planque était vide, quoi. Effectivement, j'aurais pas pu tout prendre et la planque aurait disparu, ça aurait été ballot. Mais bon, après, c'est peut-être parce que c'était le début, hein, c'était une petite bande. Mais effectivement... On va acheter les fruits aussi, vite fait. Qui nous manque. C'était deux, hein. Ouais. On va se tirer avant que l'autre revienne, par contre. On va aller tout déposer. Je vais essayer d'avancer un petit peu nos quêtes. Et lui, il faut juste qu'il fasse de la route, donc du coup, j'aurais pu explorer ça en passant d'ailleurs, je suis un peu con. On a un souvenir qui a été ajouté, le tableau de paysage, un objet trouvé chez Malfra du quartier. Ok, très bien. Et on a quoi d'autre? Un autre tableau de paysage. Ok, on a deux tableaux de paysage dans notre bureau. Pourquoi pas? Bah, quand j'ai voulu refouiller, il m'a dit que mon mec était bredouille. Donc du coup, je sais pas si... si effectivement c'est une erreur de traduction, ou si qu'il y avait vraiment plus rien, ou si que j'avais pas ce qu'il faut pour le faire. Là, effectivement, je saurais pas dire. Je suis en train de me dire qu'il a quand même récupéré un max de thunes. Hein. Est-ce qu'on peut vendre du moonshine quelque part? Que là, ok. C'est un peu loin, donc on va le garder sur lui pour l'instant. Ah ok, c'est ça, donc c'est bredouille parce que plus de place dans le véhicule. Ok. Très bien. Bonne soirée, Contamine. Merci d'être passé. On prendra un camp d'arrêt en souvenir de toi la prochaine fois. D'accord, donc ouais, ça aurait presque été plus rentable du coup que j'envoie la démon aussi fouiller le truc, quoi. Bah, je m'en souviendrai. Je m'en souviendrai. Merci pour l'astuce. Bon, du coup, ce qui m'embête, c'est qu'on peut pas s'étendre. On va aller demander à ce commerce de façade de faire un peu plus de business. Il nous reste assez de mouvement pour le faire et repartir. Déjà, on va faire ça. Et on va agrandir le territoire par là. C'est parti. Et après, on se casse. Voilà. Et avec l'argent qu'on a, on va pouvoir finir nos quêtes. Donc on avait un truc ici, un truc là, et ici. Ok. Donc on va se diriger vers cet endroit avec notre ami Magellan, futur Xebus. On va aller là plutôt. Ouais, je savais qu'elle voulait descendre ici. Par contre, bon, l'autre il a fait une descente là, ça nous arrange pas non plus outre mesure, mais bon, c'est pas si grave. Non, c'est pas toi qui dois parler, c'est l'autre. C'est l'autre qui a la thune. Peut-être que vous n'êtes pas si mauvais. Voilà, on a un petit peu de faveur maintenant. Est-ce que vous avez entendu parler d'événements intéressants? Ok. Ça, c'est bien, ça. Un petit club de restauration. Pourquoi pas. Ici, il y a une quête. On fabriquait du cidre. Et on dit aussi que vous et moi sommes en bon terme. Je pense qu'on peut dire ça.
30 cidres. 30 cidres, on peut investir 30 cidres, je pense. On a malheureusement que 27, bon, on va les déposer. On va livrer 27 pots. On va aller livrer nos fruits. Et on va aller récupérer un petit peu de barils supplémentaires. 2. Bon, c'est toujours ça de prix. Hop. Petit à petit, on arrive là, on y arrive. Où est-ce qu'on a des barils encore? Ici. C'est un peu loin. C'est un peu loin. On va attendre, de toute façon on n'a pas de bâtiment, on a déjà une fabrique de vin à construire que j'aimerais bien faire parce que ça va être assez simple à faire et en même temps assez rentable. Donc pour l'instant c'est pas forcément une priorité le reste quoi. Ici on va lui filer la thune. Inspecter le voisinage, on s'en fout un peu non? Est-ce que tu sais Canton si ça nous créerait de nouveaux bâtiments ça? Ou est-ce que c'est juste ça va découvrir le truc et comme bah on a déjà tout découvert, on sert à rien. On peut découvrir le vin de contrefaçon, on peut découvrir le cidre, ou on peut recevoir du gin amateur. Une faveur de plus. Bon, la faveur, honnêtement, on s'en fout. Hein. Ce serait une possibilité, bon, on va essayer alors. Et c'est un échec. En tout cas, à petite échelle. La 2, la 1, la 2, la 2, non, non, rien, dommage. Bon bah ok, c'est pas grave, on a perdu une petite occasion. Les cousins, c'est bon, pour l'instant, 1000 balles, on a autre chose à foutre. Toi aussi, mais tous vos cousins sont dans le mal, vous êtes pas de la même famille, non? Samuel Campbell, Maggie Baker, non. Bah non, le dinner party, on l'a découvert en demandant à je crois lui s'il pouvait nous introduire auprès de cette personne. Du coup, malheureusement, non. On va déposer ça, on va déposer le moonshine, on va prendre le cidre. On va aller vendre du cidre, déjà livrer le cidre. Les trois pots qui manquaient. 550, pressoir à pommes. Affaires pressantes. Fabriquer des pommes, c'est pas un problème parce que notre truc on fabrique. Un peu de sous, pourquoi pas. Une compétence, c'est bien quand même. Une compétence, c'est toujours bien les compétences. Et on va lui vendre 12 pots, ça c'est propre ça. Et t'as de nouveau une quête. Poser de ces 10 coins de rue, c'est parti. On fait ça, pas de problème. La livraison de faveur, c'est là où il y a les flics. Et on a découvert affaires pressantes, c'était un truc qu'il nous fallait pour améliorer là. Je sais plus pour lequel, non c'était, c'était là. C'est ça, c'était pour faire ce truc là. Bon, c'est pas demain non plus hein. Mais ça pourrait être intéressant. Ouais, ouais, c'est 1000 feet cubes, bon, la contenance de notre espace là. Et on y fabrique du jus de pomme. Alors que ici c'était 1000 aussi, et on y fabriquait que dalle. Alors franchement, ça fait un peu yesh. On va pas se mentir. Ici il y a des quêtes, on pourrait peut-être essayer de reprendre ce quartier là. Il y a quand même pas mal de discontinuité ici, ça pourrait être intéressant. Si on pouvait se poser là... Alors attends... Ces trois là sont dans le même. Celui-là est dans un autre. Et ces trois là sont dans le même, il y a peut-être d'autres trucs ici. Il y a une quête aussi mais c'est à côté du commissariat. Ici ils nous aiment déjà super bien donc on s'en fout un peu. Là-bas ça n'a aucun intérêt, ici aussi, ici ça pourrait être intéressant aussi de s'étendre.
On aurait pareil, on aurait potentiellement 4, 4 commerces. On pourrait pas s'étendre par là parce qu'il y a elle, mais... Ici c'est pas si loin de nous, donc je pense que c'est pas hors de prix. On va aller voir la quête de ce monsieur là. Et toi, ici, il en a plus, on est d'accord. Non, il a plus rien. On va quand même y aller, c'est pas si loin, on va finir cette quête. Ce sera fait. Moi aussi, Canton, je préfère les unités métriques. Hein. Le feet cube, j'ai absolument aucune idée de quoi ça correspond. Mais bon, il s'avère que ce truc-là, en l'occurrence, est en feet cube. Du coup, voilà. Ce sera du feet cube et puis c'est tout. Allez, on passe le tour. On achète. Il y avait pas... Ah, il est là. Putain, je me disais, il y avait un truc, là. Il y avait bien un truc. Bon, il nous aime pas, donc c'est pas la peine de négocier le prix. Il nous en manque 3. C'est parti. On lui en prend 3. Hop, on se pose pas de questions. C'est fait. On retourne là et on termine notre quête. Est-ce que je peux pas mettre en mètre cube dans les options? Ah, peut-être. Gameplay, je peux pas le modifier pendant la partie. À mon avis, si c'est quelque part, ça va être dans le gameplay, donc je pense qu'il faut. Je le vérifierai bah, du coup quand on sera retourné sur le menu. C'est possible, c'est tout à fait possible qu'il y ait une option. Bah, c'est vrai que je me suis pas posé la question, le truc est en français, ouais, il est en français quoi. Mais voilà. Et on a notre petite compétence de brandy artisanal. Et ça, c'est bon. Il va nous falloir vraiment le bâtiment là, tant pis, hein, pour agrandir nos possibilités, hein, c'est pas possible, hein. On peut pas faire autrement. Du coup, il va falloir qu'on corrompe cette personne. Ouais, on fait pas le plein de nos véhicules, nous. On les répare juste de temps en temps, mais ils sont totalement agnostiques du carburant. Il paraît que vous avez trouvé un stock de gin amateur récemment. Il en veut un. Ouais, carrément, ouais. On peut carrément sacrifier un djinn amateur pour nous faire des nouveaux amis. J'ai aucun problème avec ça. Par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on le fera lors du prochain épisode. Parce que cet épisode est suffisamment long. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit message, un petit commentaire. Dire ce que vous en avez pensé. Un petit pouce, vous abonner si vous découvrez la chaîne sur ce 4ème épisode. C'est possible. Hein. Auquel cas, bienvenue. Et on se dit à très vite pour la suite. Hein, si vous voulez dire au revoir à la VOD dans le chat. Je vous laisse un petit temps. Latence oblige. Calimero qui est en train de taper à pleine vitesse pour dire au revoir. J'entends son clavier d'ici. Non, elle est lavée, hein, c'était les quêtes des cousins là. Allez, on s'arrête là. Tchou tchou.